J'ai eu un désaccord avec Jumet, moi ainsi que Logan de Winter. Donc voilà, on est parti un petit peu à contre-cœur de Jumet. Bah tout simplement, j'ai été contacté et le projet sportif m'intéressait. Il faisait une nouvelle équipe avec que des jeunes, etc. Et je me suis dit, ça peut être un beau challenge, pourquoi pas essayer. De plus, je connaissais quelques personnes là-bas, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Je jouais avec le numéro 17. Et voilà, j'ai gardé le même numéro que l'année passée, que l'année d'avant. Bah, c'est un numéro qui me porte chance une année sur deux. Ben moi, quand je suis arrivé à Antignato, on m'a dit notre objectif, c'est le tour final. Et je pense qu'on a les capacités pour y arriver. On a des gars motivés. Tout le monde se bat pour tout le monde, donc franchement, ouais, pourquoi pas le faire. Moi, je dirais bien Lucas Sinello. C'est un bon petit gamin, un bon jeune, il est bon, mais ça reste mon petit quand même. Le gars, il a une bonne vision de jeu, il sait te donner un bon ballon où tu le veux, sur les coups francs, il est très 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 dangereux. S'il continue, je pense que c'est un gars qui peut jouer beaucoup plus haut. Il a les capacités et c'est juste qu'il doit lâcher un peu plus son ballon comme moi. Les joueurs qui jouent beaucoup techniquement, qui aiment bien le ballon, dribbler, etc. Il y a moi, il y a Di Mitchell et Lucas Sinello. Il y a Loris quand il veut faire son CR7, mais je lui dis faut qu'il arrête ça. Mais le boucher chez nous, c'est Yannick Van Damme. Ouais, quand lui il passe, enlève-toi du chemin, c'est dangereux. Très très dangereux. Le premier à partir, c'est Lucas Chantraine, le petit favelas. Lui, je suis même pas encore entré dans la douche qu'il est déjà parti. À peine je suis rentré dans le vestiaire, il est déjà parti. Je sais pas, il est jeune aussi, mais bon, il pourrait rester un petit peu et il veut jamais lâcher un petit billet, mettre un verre ou quoi au caisse. Donc, dans ceux qui ferment la buvette, t'as déjà le coach. Le coach, je pense que c'est lui qui l'ouvre et qui la ferme. T'as Luca, Palou. Palou qui est chaud aussi. Mais t'en as tellement que j'aurais cité toute l'équipe. C'est ça le problème là-bas. Mustapha Ofra, Jumet, ça change pas. Il y a Ali Swalmi, très très bon joueur, joueur de Fran. Et Marvin Dubois, joueur de Gerpine. À la base, c'est un joueur de salle, mais sur synthétique, il est très dangereux. Courcelle, Ransard, c'est des matchs que j'aime bien aussi. Parce que c'est. Mais mon match à moi, c'est Jumet. C'est mon équipe de l'an dernier, c'est tous des gars avec qui je suis resté, que j'ai travaillé 2 ans. C'est des gars avec qui je suis encore en contact. Tous des bons gars. Le premier match, on l'a pris. Mais on l'a pris avec un petit pincement au cœur parce que Greg Richir n'était pas là. J'aurais aimé qu'il soit là. Mais il sera là pour le match retour et je sais bien qu'il pense déjà à moi. Je ne vais pas lancer un pari à un joueur comme j'aurais fait d'habitude, mais je lance un pari à un coach. Évidemment, Grégory Richir, je te lance un pari. Si tu gagnes, un resto. Si je gagne, resto pour moi. Tout simplement. Et si tu veux, on peut même mettre quelque chose d'enjeu en plus, ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est encore moi qui fais l'une d'eux, car les nouveaux arrivants de Thouin n'ont pas osé venir le faire. Ils étaient trop timides ou il fallait qu'ils aillent changer leur pain en Perse. Je sais pas, mais c'est moi qui m'y colle. C'est encore pour papa.